Allez, la reprise de Doom. Donc on s'était arrêté au 9e. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai complété quelques niveaux qui n'étaient pas à 100%. Si je fais ça, il n'y avait pas. Attends, c'est où qu'on voit? Voilà, les 5 trucs qui sont là, ils n'étaient pas pleins pour un niveau. Donc je l'ai refait pour tout remplir. Il me manquait quelques combats. Voilà. Mais là, on va continuer donc à l'épisode, enfin la mission 9. Où il y a 9 secrets quand même à trouver. Ce qui est pas mal. Donc de souvenir, on est où? Est-ce qu'on n'est pas retourné en enfer encore? Je pense qu'on est toujours sur Mars. Ok, ça marche. Vous trouverez l'hélice de pierre dans le labo privé d'Olivia, au cœur de ce complexe. Peu l'ont déjà vu. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous pourriez voir quelque chose qui nous échappe. Ça marche, Tom. Bonne app. Fermez le portail. Alors. Ok. Donc, le premier, ça sera ici. Alors, déjà, attends, avant tout, hein, parce que j'allais oublier encore. Hop, on regarde les petits défis à faire. Donc, 5 glory kills différentes sur des soldats possédés. Ok. Bon, balayette, port au-dessus, ouais, s'il y a plein de trucs. Tuer 8 démons d'un seul tir. Bon, j'imagine le BFG, quoi. Et jouer une partie de destruction de démons. Ah, c'est le petit jeu. Ouais. Ah, c'est dans ce niveau-là. Ouais, il y a un petit jeu caché quelque part. Faudra pas que je le rate. De toute façon, je l'ai noté. Ok, donc tout plein de 9 secrets, comme je disais. Et puis, alors, il y a 2 épreuves runiques. Et tout plein de choses. La carte. Une bonne gueule, comment on fait déjà pour masquer, voilà. Ok, bah c'est parti. Alors, dès que je vois des soldats, faut que je fasse des glory kills. Il n'est pas entré en notre possession par erreur. Les démons avaient annoncé son retour dans leur prophétie. Il s'est éveillé. Il pourrait compromettre la mission. Seul est capable de s'opposer à... Message à l'attention du personnel Lazarus. Qu'est-ce que c'est que ça? Grenade typhon. Putain, je m'en rappelais pas de ça. C'est quoi ça déjà? Et chaque question y trouvera sa réponse. Présentez-vous à la chapelle à 14h. Une fois que tu as grenade libère un champ de particules, tu as un club d'armes. Deuxième temps, putain, mais le truc. Faut être ingénieur là, c'est quoi ce truc? Oh putain, on verra. ok. Ah! Là, attends, je prends le flingue. Parce qu'il faut déjà les assommer. Bon, déjà un en face. Putain, la béquille quoi. Putain, il y a juste des cons comme eux là qui vont me saouler. Voilà. Toi, hop! Ça fait 2. Attends, je crois qu'il y a un connard là. Voilà. Je vais peut-être crever hein, en cherchant à faire. Bon, attends, vas-y, tu me donnes moi de la vie. Qu'est-ce qu'il manque, la petite balayette? Hop! Non, c'est pas une balayette. Ce côté gauche, je l'ai peut-être. Oh putain! C'était côté droit normalement. Bah non. Ah bah, je sais plus faire balayette quoi. Moi j'en ai fait combien là quand même? Un seul? Qu'est-ce qu'ils disent comme conneries? Attends, mais les soldats possédés, c'est peut-être ceux-là mis avec les armes alors? Je sais plus, putain, c'est quoi ce délire là? J'en ai fait plein là de différents. Attends, je vais en avoir le cœur net, soldats possédés. Ah merde! D'accord, je suis gouré. C'est ceux qui tirent. Oh, putain, merde. Il va pas droit ce con, putain, mais... Saleté, là. Alors, premier secret, c'est là.
Camilla Health, donc ça c'est très bien. Putain, ça doit calmer ça. Zombie, je m'en fous. Je cherche des soldats quand même en cas où. Approche-toi. Qu'est-ce que c'est? Ah putain. Ah, du coup, je sais pas ce que j'ai fait au soldat là où j'ai eu un glory kill. Je sais pas ce que je lui ai fait comme technique. Bon, là, je vais en avoir plein, normalement. Il y a un truc qui m'a pété dessus. Attends, faut que je me calme, faut pas que je vise la tête. Enfin, ça dépend de qui. Ça recharge quand je fais ça? Ah oui, ça recharge. Ok, ça fait deux. Un peu bourrin quand même. Le fusil plutôt. Merde, en 6. Putain, y'en a deux. Gâche-toi. Ah merde, putain, c'en était un. Réflexe. C'en est un, ça aussi, d'accord. Même cela, c'est compté comme soldat possédé. À 4. Putain, mais chope-le. Oh putain, il y en a un qui l'a explosé. Ah, il descend. Mais putain! Faut pas que je les tue. Oh merde! Oula! Oh putain! Je sais pas si je l'ai touché là. Il est où le dernier? Intrusion de l'étage terminée. Fin du verrouillage. Bon, on est pas trop mal quand même, hein. Il m'en reste plus qu'un à faire. Faudrait que je fasse la balayette, je pense. Bon, ça serait sûr. Attends, où est le deuxième secret? Faut que je regarde. Ok. Et ça, faudrait que je le fasse dans une salle pareille dans ce genre-là, mais avec le BFG, quoi. Alors ça. Ou alors que je trouve une salle avec plein de zombies. Faudrait qu'il y en ait 8 quoi quand même. Pas beaucoup là. Il n'y en aura pas plus. Hein. Cherchons volontaires pour le nouveau cas qui va en prendre. Ça va être là. Alors ici, ouais, faut monter pour continuer, mais si on se retourne, il y a une entrée, là. Et ça mène au deuxième secret. Attends, je sais plus. Oui, ça, voilà, faut ouvrir ça. C'est rare qu'on puisse faire ça dans le jeu, d'ailleurs. Et donc là, il y a tout plein de trucs. Avec un jeton en plus quoi. Alors faudrait que je vois. Regarde vite fait là. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? J'en ai 10.
Développez votre potentiel, découvrez de nouveaux horizons et dépassez les limites de votre mortalité. Veuillez contacter Jessica des ressources humaines pour postuler. Je vais booster ça de toute façon. Alors là, faut que je tue 5 invocateurs, ok, utilisant la rafale à verrouillage. J'essaierai d'y penser, mais j'ai peur que non. Olivia a activé l'onde infernale depuis ce complexe. J'espérais qu'elle parviendrait à se soustraire à leur influence, mais je me suis trompé. Elle était plus faible que je ne croyais. Ah, un drone. Énorme. Module à plasma... Onde thermique, c'était quoi? Parce que ça, bon, c'est bien gentil, mais c'est peut-être mieux, ça. Ça a tellement de trucs que je n'ai jamais utilisé. Bizarre ce truc. Salut Fire Mario. Ok, bonne soirée. Alors attends, c'est quoi que j'ai fait là? Ok, je suis allé voir ça. Et B. Ça a l'air d'être là la suite. Ah oui, au-dessus. Attends, j'ai pas trop compris le module là que j'ai mis. Le fusil génère de la chaleur beaucoup plus rapidement. Tiens, vas-y, prends ça. Réduit de façon. Mais comment ça marche surtout? Je laisse appuyer là, je tire. Je suis obligé de tirer pour activer ce truc. Ouais, j'ai l'impression. Oh, c'est un peu. C'est un peu violent quoi. Là, il n'y en avait pas 8 hein, de toute façon. Merde. Je vais bien me débarrasser de lui là en premier. Putain, je vais prendre ça. Ok, alors normalement, c'est pas loin d'ici, je pense qu'il faut aller là. Ouais, le secret suivant il est là, putain oui, faut le voir. Bon, il y a eu le petit son là, mais faut le voir, hein. Il y a une trappe là. Hop, on y va. Ah bah il y a un défi, super. C'est beau, oula. Cette gueule quoi. Alors, avec le lance-roquette, super, les ressources, éliminer toutes les cibles avant la fin du temps imparti. Récupérer aucun butin sur vos victimes. Je dois en buter 14 avec le lance-roquette. Salut Galanout. Salut Wizbot. Dommage qu'ils répondent pas. Bon alors, j'espère que je vais pas trop galérer, on verra bien. Ah d'accord. Ah sacré départ là. Bon, on a rien vu. Hein. Putain mais c'est de la merde là, ce lance-roquette là. J'ai mal. Ah, j'ai dû me tuer tout seul là. Ah, j'ai peut-être pas le truc qui permet d'avoir moins de dégâts pour le défi quoi. Peut-être que je fasse gaffe quoi. Mais je peux utiliser un module par contre. Ah non, j'ai vraiment le tir simple quoi. C'était pas un baron ça? Enfin, un chevalier plutôt. Et je gagne absolument rien. Ah oui putain j'ai... En fait j'ai aucune aptitude en plus quoi. C'est quoi ça? Ah ouais c'est un morceau de caco. Je sais pas où je tombe là. Putain mais il y en a plein. Mais putain il colle bien lui.
Double saut, ouais, quand même. 10 sur 14. Merde, c'est un Pinky ça qui m'a. Il est invisible. Oh putain, il est invisible ce con. D'accord, ils ont foutu des Pinky invisibles. Il peut répondre, mais faut peut-être le paramétrer pour ça. Par contre, faut. Peut-être mettre des mots-clés pour qu'ils répondent ou des choses comme ça. J'avoue que ça, j'ai pas. Pas trop paramétré ça. Putain, c'est cette précision incroyable. Merde. Putain. Putain, je sais pas comment il colle lui. Et merde. Hein ? Ah, y'en a un qui m'a eu par derrière. Ah, il va être chiant ce défi. Putain, arrête. Ah, il l'a tué. J'ai l'impression que c'est le chevalier qui a buté l'autre. Putain, je sais pas où je vais. Merde, merde, j'ai un Pinky au cul. Putain, chier. Foiré lui. Plus que deux. Non, putain, il m'anticipe ce connard. Yes, c'est bon. Alors, tir standard ne consomme aucune munition si vous avez moins de 100 points d'armure. C'est quoi les tirs standard? Ah, je veux dire hors module peut-être. C'est pas mal ça, mais j'aime bien le combo que j'ai là. En rune. Enfin, attends, je vais quand même refaire un tour. C'était bien le Pinky invisible, à la fin ils me l'ont entouré quoi. Ça c'était bien, là, de loin, récupérer des éléments d'armure. Bouger plus vite pendant quelques secondes qui suivent. Ouais, alors je vais garder. Hein. Bref, donc ça c'était le secret suivant. Donc ensuite, ok, ça sera là. Calme. Putain, mais je suis coincé. Mais c'est ça qui me gêne là ? Attends, mais je suis coincé. Putain, la vache. Yes, c'est bon. C'est bon pour le défi. Attends, ils sont combien là ? 3, 4, 5. Quoi déjà le truc? Merde, non c'est ça. Ils sont trois, c'est pas génial. Putain, ce son que ça fait. Putain, mais il me fait chier lui. Hein. Allez, lâche ça là, putain, explose quoi.
Il y a de l'expérience là. Ok, donc là il y a une salle de combat. Putain, venez au centre là. C'est bon, j'ai le défi. T'es bien bourrin. Ouais, je fais que du Doom ce soir. Faut le finir avant tes vacances, c'est pas gagné. Bah ça va, c'est dans 2 semaines les vacances. Là on va bien avancer et puis prochain live c'est terminé. Hein. Bon, en tout cas c'est bon, là on a fini tout à part ça. Et il y a des petits trucs. Alors le truc qui m'emmerde c'est que je suis tombé là de vachement haut. Alors attends, comment je vais faire comme ça? J'ai peur d'avoir raté des petits trucs au-dessus puisque j'ai pas tout visité, mais apparemment. Non, apparemment, c'est bon. Alors, donc, il y a un sacré Mancubus là complètement. Oh putain, c'est. C'est beau, hein. Tout fumant. Bon, bref, c'est pour la science. Et donc, le prochain secret, c'est après cette plaque. Voilà. L'interrupteur, ça ouvre ça, et c'est là donc qu'il y a le secret. Et un jeton en plus, et puis hop, on se remet bien. C'est pas mal. Le prochain, ok, ça sera là. Faut que je trouve l'automap. Ah d'accord, c'est... Alors je vais pas aller à droite tout de suite, c'est le bon chemin, mais là il y a un portail. Là. Ah ok, c'est juste pour revenir sur l'arène. Là aussi. Je suis en train de manger. Bon, puis là ça rejoint, il n'y a rien d'autre, ok. C'est quoi ce bruit ? Ça, là. Putain, c'est Pinky. Là. Putain, mais vise mieux. Intrusion des moulins terminée. Fin du verrouillage. Salut la petite pelle. Bon, on va.
Là voilà, déjà ici derrière ces plaques là qu'on voit là, il y a Megaels ici au second à gauche. Si on passe par là, voilà, on trouve le secret suivant. Alors attends, je... Non, il n'y a rien de spé, on va aller là. Voilà. Petite figurine. Très bien. 2000 blocs. Putain, il y a une marge de 2 cm, il bloque quoi. Il y a un chargement là. Ah, c'est chelou ça. Cadunmas et Magna, Cryos et Ligma, Enmat Delac, Crion Ai, Olen Devino. Ça, c'est Star Wars là. Alors, il y a une méga rune noire en plein milieu. Alors, le secret suivant. Donc, si je monte les escaliers et que je vais sur la droite, alors il y a peut-être des ennemis qui vont me faire chier, non? Voilà, je crois que c'est cette lumière rouge qui est bizarre. Si on appuie dessus, hop, on trouve une autre figurine. Ok. Il faut interagir avec ça. Alors, attends, il n'y a pas une autre salle là quand même? Ouais, il faudrait essayer d'aller là. C'est juste à ma droite. Est-ce que je peux y aller? Vous avez derrière moi. Échoué. Ce n'était pas moi, c'était Samuel. Il les mène à sa tombe. Je vous en prie, nous pouvons surmonter ça. Je vous promets, le portail s'ouvrira comme prévu. Donc là déjà, ce qui est important, c'est ça. Et elles servent à quelque chose ou c'est juste des bonus? Comment ça? Qu'est-ce qui sert? Oh, la santé. Ah oui, ça faut que je prenne ça. Alors voilà, c'est ici qu'il y a un petit jeu bonus. Les figurines. Ah non, c'est du collectible. C'est à la fin, tu pourras... Enfin, quand tu retournes sur le menu principal, tu pourras avoir des modèles en 3D, des choses comme ça. Ça booste pas ton perso. Voilà, c'est ça. Voilà un nouveau petit jeu. Alors comment ça marche déjà? Alors c'est... Putain. C'est du Candy Crush quoi, si vous voulez. Il faut aligner 3... 3 mêmes... Putain, j'ai... Je suis tellement pas habitué à jouer à ça. Et j'arrive pas à voir là. Voilà, ici. Voilà, c'est un petit jeu à la con comme ça, il faut faire des points. Alors c'est bizarre, il y a des scores qui sont en rouge. Je sais pas si c'est bon... bon signe. Et le petit clin d'œil au premier Doom, forcément. Etc. Donc je vais pas jouer super longtemps. Déplacement 21. Attends, mais je suis peut-être limité. Ah oui, d'accord. Bon, bah alors je vais jouer vite. Finir parce que ça fait partie du défi également. Il faut que je fasse une partie de ça. Je sais pas si je dois la faire en entière. Donc autant la faire quoi. Sauf que putain, j'ai tellement de mal à voir là. C'était mieux avec les couleurs quand même. Là, j'ai un peu de mal à voir. Si ça pouvait m'aider là. J'espère que quand c'est bloqué, il réinitialise quoi. Putain, mais je peux rien faire là. Ah si là, putain. Voilà, rien. Non, je peux plus rien faire là par contre. Non, c'est bon. Putain, ouais. Attends, là j'ai du mal, hein. Je sais pas trop. C'est pas trop mon style de jeu, on va dire. Je préfère Epicross. Ah voilà, ici. Et là c'est un peu dur avec les monstres à bien voir quoi. C'est pas passionnant. Faut juste que je finisse au moins les déplacements.
Putain, je vois rien. À moins qu'il y ait un truc quelque part là. Ah, je galère. C'est possible au moins, enfin je sais pas. Est-ce que c'est bon, attends, est-ce que j'ai quand même le défi? J'ai peur de faire échappe et de devoir tout refaire quoi. C'est ça qui m'inquiète. En fait là je vois vraiment pas, à part... Vous voyez vous un truc là qui... qui pourrait se faire? Ah oui là. Putain mais pff, j'ai du mal à voir. Oula, oh c'est énorme. Ah bah c'est bon là. Ça a pas mal débloqué là. Ah bah c'est bon. Ça va aller un peu plus vite là. Faudrait, mais je peux pas ici. Ils sont buggés, ceux-là ils bougent plus. Ah, y en a qui bougent plus. C'est très bizarre. Allez, plus que deux. On y est presque. Ah, mais les barils ça fait sauter tout ce qui est autour. Quoi. Allez, un peu plus qu'un là. C'est bon. Bon bah c'est pas mal. Et c'est bon, on a le défi. Bon c'était le moment je pense le plus passionnant du jeu. Sécurité manuelle activée. Tous les terminaux. Ah ouais tu l'avais vu petit pelle là, bien joué. Ok. Attends, faut que je suive bien ce qui est écrit là. Pour le secret suivant. Ok donc je vais revenir. On va activer cette merde. Ah, j'ai vu une image, un vieux souvenir de Doom 2. Merci. Le creuset. Voilà ce qu'elle cherchait. Vega! Tu as les coordonnées? Oui. Il se trouve dans une région inexplorée du royaume des Titans. Et vous devrez détruire un autre accumulateur argent pour créer le portail. Le seul disponible dans le secteur est dans le spécimen CD587. Vous allez devoir l'enlever. Une fois que vous aurez extrait l'accumulateur, il deviendra instable. La rupture de son enveloppe provoquera une perturbation assez puissante pour vous projeter dans leur monde. Nous pouvons déterminer votre point d'entrée en utilisant le système de porte que j'ai transféré dans votre armure. Il est impératif de récupérer le creuset. Sans lui, nous ne pourrons pas refermer le puits et le portail vers l'enfer ici, sur Mars. Putain, il a disparu quoi. Intrusion démoniaque terminée. Fin du verrouillage. Bien.
Alors, faut descendre. Je crois que c'est par là. Ouais, il y a l'église. Délire. C'est un cas random ça, non? Alors attends. Ok, ce serait à droite. Ah, comment ils arrivent à les faire tenir hein. Ouais, c'est par là. Alors il y a un trou. Sauf qu'avant tout. Voilà, c'est ici. Il y a le levier pour le niveau. Doom classique. Ok, et là, faut tomber dans le trou. Donc il y a un secret, hop, qui s'active là, comme ça. On trouve un jeton. Mais également, voilà, l'entrée pour... donc c'est un autre secret. Pour le niveau de Doom. Et là, on reconnaît... pour ceux qui connaissent bien le premier Doom, un endroit excellent. Sauf qu'on peut pas ouvrir, c'est dommage. Y a pas les interrupteurs. J'aurais bien voulu voir le cyberdémon là. Bref, c'est la tour de Babel quoi. Hop, on remonte. Alors, attendez deux secondes, je regarde. Je regardais mes notes. Ok, faut aller là. Est-ce que j'ai tout eu là à cet étage? Il y a une super armure là-bas. C'est loin, faut que je remonte. C'est vite fait, allez. Perso assez rapide. Ouais, ouais. Ah d'accord, c'était ça au fond. Est-ce que ça va à 200 ça? Je sais pas. Ok, 125. Il y avait quoi à gauche? Que dalle. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Elle est où la plateforme là? Merde. Putain, attends, faut la réactiver. Ah, ok. Le prochain, j'espère que je vais pas trop galérer à le trouver. Hein. Un petit chemin à faire. Ceux-là à balancer les bouts de le plasma là. Salut Massa. Ok. Je sais pas si je m'aventure pas un peu. Je suis en train de revenir là? Attends. Non, non, c'est tout juste là. Mais il y a un truc à gauche là. Ouais, ça sauve pas ça. Ok.
n'empêche, à l'origine, j'avais prévu de faire deux lives, un mercredi soir et un ce soir. Mais il y a eu des événements mercredi, enfin plutôt la nuit de mardi, qui fait que j'ai pas pu. Lazarus, à pleine charge. Prête pour activation. Cette vague de l'enfer modifiera le destin de l'humanité. En ce jour, nous apportons notre conviction à l'enfant. Notre salut repose sur eux. Je vous ai sorti de cette tombe dans laquelle il jaçait tout pour cette raison. Je savais qu'elle était faible. Notre travail n'est pas sans risque. Alors ça va être par là. Putain. Ah bah merci beaucoup Mivilo pour ce don juste énorme. La vache putain mais c'est trop. Putain merci beaucoup hein. La vache, je mérite autant vraiment? Non. Ah, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Bah cet argent m'aidera pour la petite mésaventure que j'ai eue cette semaine alors. Merci beaucoup. Et salut à toi. C'est par là. Non, c'est pas là. Là. Oui, c'est là. Cool. J'espère que tu t'es pas ruiné quand même, hein, Mivino. Là, je serais pas content là par contre. Bon, on va les laisser gueuler, je vais aller au secret. Donc c'était à droite ici, et là il y a une entrée. C'est ça que je craignais de pas trouver quoi. Ah, il y en avait une. Ah putain, on va encore rester 10 heures sur un défi. Merde, putain les cons. Ça va ouvrir les portes quoi. Bon attends. Silence. On va se faire ça. Bon bah c'est cool alors. Merci encore. Alors le fusil gosse, c'est les ressources qui éliminer toutes les cibles avant la fin du temps. Ok, les niveaux de santé. Ah putain, j'aime pas ça. Vous ne récupérez aucun butin sur vos victimes. Oh, en enfer. Ouh, ça reste d'être chaud là. Y a aucun moyen de regagner de la vie apparemment. Allez. Putain oui, j'ai un point de vie quoi. Génial. Ah si, il y a de la vie là. Non, c'est de la vie ou pas? Non, c'est pas du tout de la vie. Bon voilà, faut être bon au snipe. Hein. Vraiment, j'ai pas de vie. Non. Plus que 7. Putain, je l'ai pas vu la boule de feu. Ah merde, j'ai oublié de lancer le timer. Oh bah attends, tant pis, je vais le virer. 2 secondes. Sert à rien. Je l'ai oublié, tant pis. Hop, c'est bon. Putain, fous le camp toi. Il y en a de partout là. J'aime pas ça, putain. Non, putain, vise bien. Oh putain. Merde, c'est vrai qu'il en balance 50 000 en plus. J'ai plus de... Merde, j'ai plus de munitions. Oh l'enfer.
Merde, je vais crever par le temps, fais chier. Oh oui! Alors, obtenez une chance de survivre à un coup mortel et récupérer de la santé. Réinitiez la vie. Ok, à votre main. Finir tout le jeu avec un seul point de vie, non mais là. Là on n'avancera jamais quoi. Putain, c'était limite hein. À niveau temps, il me devait me rester 2 secondes, un truc comme ça. Mais bon. J'y ai cru. Lancer 1, c'est quoi ce lancer 1 en haut? Fais voir où j'en suis de ça là. Parce que je sais plus ce qu'il faut faire là. Ah non, c'est les invocateurs. Putain, tu vois, j'ai... même ça, j'ai zappé quoi. Le suivant. Et merci pour le sub, Choupi. Bah dis donc, c'est ma fête ce soir. C'est le gros soutien là. Ah, y a plus de secret, ok. Ouais, y en a plus. Merci beaucoup. Ah, c'est Massa qui a offert. Bon, bah merci Massa alors. C'est vrai que ça affiche pas comme ça sur le truc. Merci bien. Ouais, mais j'ai tout là. Là, je peux finir le niveau. Juste que je me reconcentre là, que je sache où aller. Je comprends pas là, faut aller en bas là, mais. Je vois pas le symbole là de. Attends. Je vois pas l'objectif affiché. Je reviens. C'est tout au-dessus. Par là. Un truc à activer quelque part. Et la boussole, y a rien. Y a rien sur la boussole. Ça, ok. Ça, je l'ai activé. Peut-être aller là. Je sais pas ce qui se passe en bas là. Je peux pas y aller surtout. Non, non, mais faut pas que je revienne à ce point là. Ça, je me rappelle plus. Je vais descendre. Bah merde. Ah là. Mais là j'y étais. Ah! Attends, j'y étais là? Putain, c'est où? Non, mais c'est le secret ça! Non, mais ça, là c'est le secret là! Putain, je suis bloqué par quoi? Ah! Donc ça c'est non quoi! Attends, c'est quoi ce délire? Exit! Ah bah voilà! Donc en fait on peut l'atteindre, mais c'est pas indiqué en fait! Hein. Ok, c'est bon. Merde. Non, c'est des conneries, c'est un fake. Apparemment, il y a un truc à activer. Ça sent mauvais là-haut. Attends, dégage.
sais pas ce qu'elle a dit. Il y a encore des ennemis quoi, c'est tout. Faudrait me dire un pourcentage quoi. Je l'ai pas vu lui. Oh putain, il m'a eu au vol. J'ai l'impression que c'est un atterrissant qui m'a eu. T'as eu pitié de mes GG. Bon, je vais pas le prendre tout de suite, le Quake. Je vais se faire quelques... Putain, ça c'est chiant ça. Alors tire. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont bloqués. Stop. Oh le kick. Je suis bloqué là. Bloc. Putain, il a tête chercheuse quoi. Je vais crever. Prends-moi ça. Oula, j'ai eu un bug. Je suis coincé, putain. Ah non, je peux pas. Aïe aïe aïe. Bon, je passe là. Merde. Oh le con. Oh. Putain, merci le quad damage. Ah, je me voyais mort là. Ah yes, j'ai tous les jetons en haut à droite. Putain, c'était chaud, hein. Bon. Ouais, c'est pas passé loin, c'est clair. Et merci. L'objectif me dit là. Oh, j'ai oublié l'enregistrement local aussi. Oh putain. Putain, j'ai tout fait à l'envers, soit. Oh bah tant pis, hein, c'est pas grave. Ça se voit que les vacances sont attendues. Hein. Non ? Ça a volé où ça ? Ah putain! Ah, c'est à ce chapitre là! Oh
Oh. C'est de la merde, ça marche pas. Mais ouais. Derrière. Ici là. Hein ? Pourquoi il bouge plus ? Enfin bref. Mais putain ! Ah oh, d'accord. Prends les munitions là, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait là ? Hein ? Il y a un skip là ? Oula ! T'as cette musique derrière. Salut Patakès. Et ben voilà. Et ben de face il est pourri. Oh, je suis un peu boosté aussi. Hein. Ben ça c'est beau. Tout est orange aussi là.